Donc après avoir passé quelques jours incroyables à Sumbawa, à cause des problèmes de santé de Tito, on a été obligé de rentrer sur Bali. Et donc on s'est dirigé vers Keramas et vous allez voir qu'on s'est vraiment régalé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est le départ. On a toutes les affaires. C'est chaud. À la forme. Ah, faut voir la force. Bon, on l'a fait du coup, les gars. On est au premier ferry. Voilà, le plan, il s'est déroulé incroyablement bien. Parfaitement. Pour l'instant, tout se passe bien. On a fait jusqu'au premier ferry. On a tracé. Là, il est 9h. On a attendu une heure et demie même. On attend que le ferry part. Et on va espérer que le reste va se passer aussi bien. Chaud là, j'ai mis de la crème parce que là on va cramer, on a 2h30 de route en plein cagnard, on est déjà en sueur de ouf, je suis liquide. Donc ouais, vraie petite mission. C'est bon, on vient d'arriver au ferry de Lombok, tout s'est bien passé, on a tracé en vrai. On a mis combien de temps? On a mis pile le temps, non? 2h30? Le trajet? 2h le trajet? Ah bah on a mis 2h le 2h30, donc on s'est cru, on est dans les temps. On vient de louper le ferry genre vraiment une minute je pense. Mais bon, on va attendre le prochain. De toute façon là on a vraiment fait le plus dur. Il nous reste 4 heures de ferry, donc là on a rien à faire. Et après une demi-heure de scooter. Donc ouais, là on a fait le plus dur, ça va être cool. On est en train de me présenter les modèles de bouteilles d'eau. Aïe. Tu vas arriver à acheter une bouteille d'eau, tu penses? T'as toutes les gammes si tu veux là. sorry. Ok les gars, on est juste arrivé à Keramas du coup. Je peux mettre un stop sur le chrono. 13h. On a battu notre record de plus de 7h. Toc. Ça, zéro galère. Tout s'est enchaîné nickel. Ouais. Impeccable. Impeccable. Alors, on va se poser ici pour quelques temps à Keramas. Donc voilà. Chou. Bon du coup on a réservé ces petites capsules là. Ça s'appelle des capsules. Genre c'est genre c'est juste un lit. Juste pour la nuit parce que comme on a dû réserver et qu'on a dû bouger au dernier moment, il n'y avait pas de bungalow dispo. Du coup on a un bungalow dès demain, là c'est juste pour cette nuit. On est juste en face du spot de Keramas, bon vous verrez mieux demain. Ça m'a l'air pas pire hein. Ouais c'est trop stylé hein. On est dans la nature comme ça. C'est pas un petit chemin. Et là t'arrives sur la plage. On va voir s'il y a des vagues, il est 6h30 là. J'ai le réveil. Ça pique un peu là le réveil. Avec le trajet et tout hier. Bon alors. Ouais, quelques vagues. C'est pas bien gros mais. Il y a quelques vagues. Je pense que je vais me mettre à l'eau, de toute façon c'est le meilleur créneau de la journée. Si je sors pas maintenant, je surferai pas de la journée. Donc bon, on va voir. Allez.
Hola les gringos. Ouais. Comment ça va? Bah, ça va pas, hein. Oh. Putain les gars, on a déconné là. On s'est ruiné, je crois. On a pris un peu trop, non? Ça t'a coûté combien? Je sais pas, 4-5 euros. Qu'est-ce que tu fais là? Là je vide mon oreille. Et toi? Bah moi je vais surfer. Yes. Deux vies différentes. Ouais, ouais. En tout cas t'as l'air bien. Ah ouais, je suis en pleine forme. Une nouvelle petite chambre, on est au même endroit que hier et que ce matin. Juste on a changé de chambre là parce que on avait un truc plus grand là pour aujourd'hui et demain. Et encore après-demain on change pour la même chose mais de l'autre côté. Parce qu'à la base c'était ça qu'on avait réservé. Donc voilà, moi je vais surfer. Allez, let's go. Allez, force, mec, hein. Fais du surf mental, mec. Je dors pas du soir. Quoi? C'est encore jour. Quoi? Le sourd. Mec, j'entends rien, personne. Ça va? Tu m'entends là? Oui, c'est bon là. Oh, le papy avec son système auditif. On mange le repas du soir, il fait toujours jour. Il est quelle heure? Ah, oui, là on est un peu forcé là. 18h. Ouais, bon, ça va encore. Ouais, ça va. Oui, il est pire. Il faisait faim. Mec, on est dans la merde, on va se faire envahir par les moustiques. Mais non, y'a pas de moustiques. La porte elle ferme pas complètement. J'ai du buprofène. Ça n'a rien à voir, frérot, rien à voir. Ça fait peur aux moustiques, non? Non. Ça se dégage de mes pores. Vas-y, j'en veux bien, s'il te plaît. Non. Je vais t'en prendre 3 cachets, s'il te plaît. Mec, je vais mourir. Moustique. Déjà, je suis piqué de partout sur les pieds. Oh, mais tu me casses, là. Pardon, frérot, pardon. Qu'est-ce qu'il a bouffé, ça? Bah, justement, j'allais dire, on a trop mangé, je me suis pété le bide, là. Oui, allez, attention, en pleine forme, mec. Allez, salut! Bonne nuit! Mais, dis-toi. C'est bon, j'ai résolu mon problème. Tu vas pouvoir aller surfer comme ça demain? Ici, on essaie d'être sérieux 2 secondes, de réviser. Attendez, je vous. Et là, tu te tues en vidéo, mec. Salut, bon. Vas-y. Très, j'aurais fait ça au montage. Ouais, c'est faux, j'ai pas le temps de faire ça au montage. Ah. Petite matinée off. On profite, il y a pire pour travailler. On va bien surfer là. Hein. Enfin, toi, non, toujours pas de façon. Le vent s'est un petit peu levé. Hein. C'est pareil aux dunes. Tu vois, en face, là, c'est les dunes. On fire. Pas de léger cracher sur la. Non, love les dunes. Ouais. Petit repas, là.
Ok, alors premier jour du swell. On est du coup dimanche 18 décembre. Je viens de me réveiller là, il est 6h. J'ai un peu la tête dans le cul. Il a l'air de faire assez beau, c'est cool. Petit lever de soleil et tout, papier. On est dans les rizières. Et là, on va checker, je vais voir s'il y a des vagues, hein, si le soleil est rentré. J'espère. Il n'y a de pas avoir de vent pour l'instant. J'entends les vagues, donc avec un peu de chance, il y a de la houle. Un peu. Putain, le soleil là, il fait plaisir. Une bonne demi-heure, j'attends une vague. Ils se mettent tous à l'intérieur dès qu'ils prennent une vague. Ils se remettent à l'intérieur, ils tâchent et tout, c'est un enfer. Bon, j'ai ma vague enfin. Et là, il y a le gars qui me taxe, en plus, lui, il taxe tout le monde. C'est infernal. Je pense pas que je vais rester longtemps. Il est allé à l'hôpital ce matin là. Depuis, ça va beaucoup mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me casse les couilles. Il fait tout seul. Il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Ah bah il a repris de la forme, hein. Ça y est, c'est bon là. Dans deux jours, il est dans l'eau. On m'a donné des vitamines. Ok. Déménagement. C'est l'heure du grand déménagement. Suivez-nous. Encore. Mais attends, mais je vais pas préparer mes affaires, gros, je lag. C'est pas grave. Bon, vas-y. Je vous montre la route. Vas-y. Parce que là, on va très loin. T'as pris les clés du scooter? Oui. Oh yes, c'est là où j'étais allé, le gars. Oh, mec. Tu vas voir, la connexion wifi là-bas, elle est irréprochable. Génial. Bon, bah, j'ai la flemme d'aller jusque là-bas, mais on va là-dedans. Oui? Oui? C'est pour rentrer dans le bungalow. Bienvenue! C'est beau, hein? Bah. C'est beau, hein? C'est pas pire. Et puis c'est fraîchement équipé d'une clim. Ouais, celle-là, elle fait plaisir. 66 par l'année, ça fait combien de réceptifs? Bon, environ 17. Je crois que ça fait 8. Oui, bien sûr. Pousse-toi, on va voir la salle de bain. Mais mec, il y a des clés partout ici. Ouais, c'est la sécurité avant tout, hein. Ah, mais c'est quoi demandeur, mec? Eh ouais. Et là, j'étais allé, mais tout seul, mec. J'avais ce bungalow pour moi tout seul pendant une semaine, gros. C'était incroyable. C'est vrai, toi, tu le craquage un peu. Ouais, j'avais un peu craqué. Mais là, maintenant, je suis avec toi, donc ça me fait un peu plus chier. Ah. C'est par rapport à quoi? Par rapport à ta présence. Qui. L'encombrement, tu vois. Du chaud. Oh, bah. Oh. c'est propre, ça. Ça, c'est pas bon. Ah, bon, tranquille, Samy. Il n'y a plus de pineapple juice ce soir. Je fais comment, moi? J'en avais pris que 7 aujourd'hui. Le mec a vraiment vidé tous les ananas qu'ils avaient. Du coup, bah. Du coup, il n'y a plus de pineapple juste pour tout le monde. Il est quelle heure déjà, lui? Il est 23h. Il est 23h, j'ai envie de dormir. Oui, moi aussi, qu'est-ce qu'on fait là? On regarde le match. On regarde une série sur Netflix. C'est tu voudrais bien partager un peu, parce que t'as l'air un peu dans ton coin là. Faut que je te trouve un petit peu renfermé sur toi-même en ce moment, tout le temps. Go. On prend des forces avant d'aller à l'eau.
Les vagues elles sont on fire. Vraiment ça va être grave ce matin. Il y a juste du monde donc j'espère que je vais quand même arriver à choper des vagues parce que ça va pas être trop chiant. Titon qui ressort la board. Elle a, ça va, elle a pas trop pris la poussière? Non, elle a pas pris la poussière, regarde. J'en prends soin. T'en prends soin? Les gars, c'est légendaire. Titon qui ressort la board. Ah bah j'avais grand hâte. Je pense qu'il va plus savoir surfer. Ça faut pas le dire. Allez, Bamos. Allez, moi ça. Allez, là on est bien. Là on est bien. Ils ont l'air. C'est nul. Si pourri. Oh bah c'est propre ça. Ça c'est propre, c'est en vidéo tu vois. Non merde. Non, ça le fait, hein. Non non t'inquiète ça le fait hein. Je l'ai fait à marée basse hein, ça fait à marée haute hein. Faut juste pas faire des canards trop profonds mais calme. Là je le détruis. Ouais du coup pour revenir un peu sur la journée là, on a eu des vagues mais franchement là pour l'instant on n'a pas eu un karamas vraiment fou. Le sol devait rentrer hier aujourd'hui, aujourd'hui ça devait être le meilleur jour. Au final on a eu full vent. Donc ouais c'était pas la folie. On verra dans les prochains jours, je pense que demain matin je vais y aller tôt avant que le vent se lève. Donc, on va prier pour avoir des vagues. Petit lever de soleil, il est 6h du mat, c'est grave, il y a juste tout le monde à l'eau, je sais pas trop autant de monde, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça va être grave, donc bon, on va se mettre à l'eau, allez let's go. Regardez-moi ce monde dans l'eau là, c'est infernal, il est 6h du mat, dormez un peu les gens.
On est à peine de rentrer dans l'eau, il y a déjà un mec qui a pété sa board. Comme de la merde. Pour manger, prendre le petit déj et puis après on va se remettre à l'eau parce que là c'est grave, faut en profiter avant que le vent se lève. Voilà comment on reprend des forces, on va retourner à l'eau. C'est bon, on a repris des forces, on a mangé un peu, là on va se remettre à l'eau. Enfin, on a récupéré l'autre là qui a fait la grasse mat. Puis let's go hein. Il y a du surf. We'll be right back.
Putain, ça fait trois fois que les mecs essaient de me faire à l'intérieur là. C'est vraiment infernal. Mais bon, on va essayer de choper quelques jambes là quand même. En essayant de pas trop s'énerver. Là j'apprends à faire mon fameux pineapple juice parce que on est en train de prendre des cours de j'adore de jus de fruits. Un petit peu d'eau. C'est une cette avec le boss. Le broyeur il a fait la guerre. Calme. J'en ai des gens qui dorment pas. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Je vais péter un truc. Tu vas péter le meuble là. D'accord, le toit, il tombe quoi. Ah, y'a pas de... Mais mec, mais t'es complètement ravagé toi.